Bonjour et bienvenue dans votre agenda, tout de suite votre programme sélectionné par KTO. La nuit des églises est cet événement annuel qui nous ouvre les portes des églises la nuit. Partout en France, vous avez l'occasion de participer à cet événement. Pour les Charentais, cela se passera la nuit du 30 juin dans trois villages, Berneuil, Poulignac et Nonac. Au programme dans ces églises, chef-d'œuvre de l'art roman, visites guidées, expositions, concerts et vers de l'amitié. Elles seront ouvertes jusqu'à minuit. Rendez-vous sur charente.catholique.fr, rubrique agenda pour avoir accès au programme complet. Le diocèse d'Albi vous propose une journée de fête. Rendez-vous le 1er juillet à la maison diocésaine Saint-Amaran à Albi pour son inauguration. Pour l'occasion, ses portes seront ouvertes toute la journée de 10h à 18h. Au programme, jeux, concerts, activités pour les petits et les grands, une tombola et la messe en plein air à 16h. Les jeunes inscrits avec le diocèse pour les JMJ seront également présents. Accès au programme de la journée sur albi.catholique.fr, rubrique agenda. Alpée de Cudo, c'est une bergère du XIIe siècle, lépreuse, qui, une fois guérie miraculeusement de sa maladie, ne se nourrit plus que de l'Eucharistie jusqu'à sa mort. Elle fut canonisée par le pape Pie IX en 1874. La paroisse Saint-Alpée, comme tous les ans, vous propose de passer la journée du 1er juillet à sa découverte et sa commémoration à Cudo dans l'Yonne. Vous avez le choix entre partir de Villeneuve-sur-Yonne à 8h pour une marche de 18 km ou de Verlin à 10h30 pour 8 km de marche. À 11h, une fois arrivé à Cudo, aura lieu un temps d'adoration en l'église du village. Après le repas partagé tiré du sac, un parcours Laudato Si et une procession seront au programme. À 15h30, une messe suivie d'un verre de l'amitié. Plus de renseignements par téléphone au 06 33 96 60 69 ou par mail à l'adresse saintalpe@paroisse89.fr. Les pardons, ce sont ces pèlerinages spécifiques à la Bretagne datant du Moyen-Âge qui mélangent sacré et profane. Comme chaque année, la chapelle de la Madeleine-Cartier vous invite à passer une journée à Plumelio dans le Morbihan pour célébrer et prier Sainte Madeleine, la première témoin de la résurrection du Christ. Cette fois-ci, ce pardon, qui sera suivi d'un verre de l'amitié, aura lieu le 8 juillet. Plus de renseignements au 02 97 51 80 25. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda@kto.tv.com ou bien à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de Ouvrez le livre, interprété par Hubert Bourrel et tiré de l'album Dans le cœur de Dieu. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Ouvrez le livre, goûtez l'évangile, des mots d'amour et de paix et de liberté, des mots cueillis du matin, des regards d'enfants, des signes d'amour par milliers, des mots desserrant les poings, du soleil levant, il y a tant d'amour à donner. Cœur tout brûlant, il y a tant d'amour à donner.